La création est étroitement liée à mon parcours de vie. D'abord comme enfant, elle a occupé tous les espaces, espaces ludiques, espaces de jeu, quelques concours. Mais en tant qu'adulte, je prends conscience peut-être du rôle thérapeutique et du rôle important de la création dans ma vie d'artiste, mais surtout dans les moments difficiles, dans les épreuves et dans les moments forts de mon existence. Un moment particulier a été une arrestation à Port-au-Prince en Haïti. Je suis d'origine haïtienne. J'ai été prise dans une histoire sordide d'arrestation arbitraire et je me suis retrouvée comme ça emprisonnée en passant par la machine à l'époque de la torture, de la bastonnade, etc. Sans rentrer dans tous les détails de ce parcours-là, j'ai passé à peu près un mois, mais je sais que lors de mon incarcération, la peinture, le dessin, l'écriture ont occupé un grand espace. D'une part, je dessinais ces femmes que je côtoyais, ces femmes qui avaient été victimes d'injustices sociales, qui avaient été victimes d'arrestations arbitraires, qui n'avaient aucun moyen de défense. Donc d'une part, j'ai pris conscience pour la première fois, je dirais, de façon très tangible des inégalités sociales de ce système. D'autre part, j'avais la peinture et le dessin comme refuge pour essayer de me reconstruire intérieurement après les humiliations, après la peur, après l'impression de côtoyer peut-être une mort, prélude d'une mort annoncée. Je ne savais pas où je m'en allais. Donc je dessinais ces femmes inlassablement, j'écoutais leurs histoires. En côtoyant ces femmes, je me suis rendu compte à quel point le fossé était énorme entre le mode d'existence d'une certaine partie de la société haïtienne et ces femmes qui luttaient au quotidien, mais qui, surtout qui avaient une réalité, je ne voudrais pas la qualifier de médiévale, mais j'avais l'impression qu'on les faisait partie d'un autre siècle. Des femmes qui avaient été arrêtées parce qu'elles étaient des mangeuses d'enfants, des femmes qui vendaient des tomates dans la rue, qui me racontaient la lapidation ou à l'époque comment on appelait ça, le père Lebrun, lorsqu'il passait un caoutchouc autour du cou d'une personne qu'ils avaient brûlée parce qu'il était un ancien macoute qu'ils avaient retrouvé et qu'il avait commis toutes sortes d'exactions dans le quartier. Donc j'écoutais toutes ces histoires et au fur et à mesure que j'écoutais ces histoires, je notais certaines histoires et puis je dessinais également. Il faut pas croire que l'incarcération, ce n'est que des moments d'horreur. Bien sûr qu'il y a des horribles moments où on n'a pas accès aux besoins de base, pas de latrine, pas d'eau, etc. Mais il y a aussi cette solidarité entre femmes, cette solidarité qui se passe dans le champ, cette solidarité qui se passe également dans la prière, parce que je suis une personne croyante, donc la prière m'a soutenue, et cette solidarité qui se passe aussi dans le rire, dans le partage des émotions, des histoires d'amour qui se créent en prison. Il y avait juste les cellules des femmes, mais ils étaient capables avec les espèces de courtiers, j'ai oublié leur nom à l'époque, mais c'est comme des espèces de ramasseurs qui courent des cellules des hommes aux cellules des femmes, qui sont dans deux bâtiments différents, et ils envoyaient comme ça des petits messages d'amour. Alors comme j'étais dans un milieu où la plupart des femmes étaient analphabètes, je servais de script, espèce d'écrivain public. Donc j'écrivais des lettres d'amour comme ça à des hommes que je ne connaissais pas. Je suis arrivée à Montréal, de mémoire, je dirais en hiver 1991 ou début du printemps 1991. Une période où il a fallu très vite me reconstruire. Me reconstruire à tous les niveaux. Heureusement, j'ai la chance d'avoir, comme certains membres de la diaspora haïtienne, j'ai eu tout un réseau d'accueil. D'abord, mon frère habitait ici, ma belle-sœur, des cousines, des cousins. Donc, j'ai été très vite accueillie. J'ai pas eu de soucis, je dirais, au niveau matériel. Mais le grand défi était de se reconstruire au niveau émotionnel et de ne pas avoir à retourner en Haïti
où j'avais peur de représailles en réalité, parce que j'ai vécu des représailles pendant une très courte période. Une fois que j'ai été libérée, il y avait souvent les méthodes qui sont les anciennes méthodes de toutes les dictatures, de faire peur à la personne qui est libérée en la suivant en voiture, en envoyant des messages par personne interposée. Donc j'avais aussi cette crainte de ne d'obtenir une sorte de légalité. J'ai fait une demande de réfugié, donc de pouvoir m'établir à Montréal, et aussi le besoin de se reconstruire émotionnellement et physiquement, parce que j'étais devenue très maigre, j'avais perdu beaucoup de kilos, etc. Donc c'était là tout le grand défi de la reconstruction. Je me rappelle pas très très bien de l'entrevue au niveau de l'obtention du statut de réfugié. Je sais que j'étais accompagnée de l'avocate qui faisait partie donc du bureau de Julius Gray. Je sais que j'avais récolté toutes les informations. Enfin, quand je m'étais mis méticuleusement à la tâche, je voulais avoir un dossier assez bien monté, etc. Puis je faisais un effort pour essayer de raconter dans les moindres détails l'histoire de l'arrestation, les moments clés, la torture, la bastonnade et tout ça. C'est vrai que ça remuait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai aussi que j'étais passée à l'école de la dure, donc je racontais ça en essayant aussi de refouler mes larmes, je faisais un effort. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, j'étais tellement prise dans cette histoire, j'ai regardé cette femme qui m'accompagnait, qui était avocate, et qui était en larmes. Et la seule question que j'ai eu à poser à l'époque, c'est que est-ce que mon histoire est convaincante? J'avais tellement peur que les gens croient que, je sais pas, que c'était une histoire de fabulation ou que l'histoire était fausse, que j'essayais sincèrement de vider mes tripes. Et ça m'avait frappée parce qu'à un certain moment, j'ai senti dans son regard un quart de seconde d'empathie et de détresse. Au niveau matériel, j'habitais chez une de mes tantes qui habitait Boucherville, Ghislaine, qui est en fin de compte un havre d'accueil dans mes souvenirs, et jusqu'à présent elle demeure une personne clé au niveau de sa capacité d'amour et de générosité. Et donc je passais mon temps entre, je sais pas si chercher un emploi et tout de suite était une priorité, je ne penserais pas, mais je sais que la peinture a occupé un rôle essentiel. Donc d'une part, j'avais demandé le statut de réfugié, donc il fallait que très rapidement je ramasse les éléments pour prouver un petit peu mon histoire. Donc ça me replongeait au niveau émotionnel, j'étais un petit peu à la bibliothèque, les coupures de presse, etc., rencontrer l'avocat. Et de l'autre côté, j'allais dans cet atelier, mon frère, ma belle-sœur, tous mes amis de cette communauté haïtienne m'avaient offert quelques pastels, des acryliques, etc. Et donc j'ai commencé à peindre inlassablement ces femmes que je revois d'abord. Maintenant que je peux analyser ça froidement, il y a un regard hagard, des regards de tristesse, de dérive, de solitude, j'irais même quelque part de perte de boussole. Et je retrouve aussi très fortement cette identité créole à cette époque-là, créole et haïtienne. Donc peut-être ce besoin de se rattacher à quelque chose de fondamental dans ce qui me détermine en tant que femme créole. Je ne sais pas, peut-être au niveau conscient et inconscient, il se passe des choses dans la création qui nous dépassent. De cette période, ce que je retiens, au-delà du défi d'avoir à avoir un travail, gagner sa vie, se loger, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir un bon réseau de soutien, mais la difficulté pour moi, je ne voulais pas perdre le ressort intérieur. J'avais ce défi de me reconstruire intérieurement et de maintenir un niveau d'optimisme, de gaieté, de joie de vivre, de spiritualité.
Et je pense que j'atteins cet objectif tout doucement, tous les jours. Je pense que c'est pas un objectif en soi, c'est une façon de regarder la vie. Et le grand défi, c'était de ne pas sombrer dans ce que j'appelle une sorte d'obscurantisme intérieur. Créer en tant qu'artiste, c'est avant tout une passion, quelque chose qui occupe tout l'espace de ma vie. Créer est un besoin égoïste parce qu'il est purement ludique, besoin essentiel parce qu'il fait partie de moi intrinsèquement. C'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que les choses sortent en mots, en images, en couleurs. Créer parce que j'existe à travers la peinture, je me définis à travers la création. Je dirais que ma peinture quand même est d'inspiration africaine. Africaine dans le traitement graphique. J'essaie d'avoir un graphisme assez géométrique un petit peu. Puis je fais des clins d'œil des fois à Picasso avec les sièges de vélo. Mais l'inspiration est africaine parce qu'elle m'habite. Est-ce que je dois la justifier? Je ne penserai pas. Elle m'attire, elle m'habite et esthétiquement c'est là que je suis. En fin de compte, quand je dis que je ne sais pas trop pourquoi l'Afrique m'habite, c'est un peu faux. Je sais très bien pourquoi l'Afrique m'habite. D'une part parce que je suis haïtienne, donc il y a toute cette historique dont j'ai été nourrie. Je sais très bien d'où viennent mes racines, mais aussi parce que j'ai grandi en Afrique du Nord, j'ai grandi à Casablanca. Donc l'Afrique du Nord, l'Algérie aussi, parce qu'on a passé, mes parents ont passé de 65 à 66, je pense, en Afrique du Nord, en Algérie, et après ça de 66 aux années 80 au Maroc. Donc l'Afrique du Nord a habité toute mon enfance et mon adolescence. En résumé, je pourrais dire que créer pour moi, c'était créer pour se recréer, créer pour exister, créer pour être.